Mesdames et messieurs, bonsoir. Le compositeur valdôtain Aimé d'Épinay a été un véritable chanteur de la vallée d'Aoste, au sens classique et moyenâgeux du mot. Ses compositions musicales, allant de Vieilles maisons de pape à la ronde des vendanges et de Les Cliozes à mon pays, racontent avec sincère affection les beautés et les moments de la vie dans notre terre. Dans le chant que vous allez entendre ce soir, dont le texte est écrit par le poète valdôtain Edmond Trintamateri, la vallée d'Aoste est ressentie comme une amante aux fraîches beautés. Le poète, le compositeur, amoureux d'elle, demande à rester dans ses bras jusqu'à jamais. Berce-moi pour toujours dans ta sereine paix. À une amante. Dei Chants d'Auvergne, raccolti all'inizio del Novecento dal musicista francese Joseph Canteloube. Il canto è un dialogo a distanza tra un berger e une bergère. Nella biografia di Canteloube vengono raccontate le circostanze in cui il musicista, a notte fonda, aveva raccolto il canto. C'était un soir de 1903, à la nuit tombante, dans la montagne qui domine Vic-sur-Serre, dans le Cantal.
Canteloube contemplait le majestueux paysage qui s'offrait à ses yeux, quand, tout à coup, s'éleva le chant d'une bergère qui lançait ses phrases à toute volée. Se gardant bien de se montrer, il commença à noter la mélodie, lorsque, de très loin, comme porté par la brise qui se lève le soir sur la montagne, il aperçut à peine perceptible la voix lointaine d'un autre berger qui répétait le thème, à 6 kilomètres de là. La chorale Novenzo ve la presenta nell'armonizzazione di Gough Richards. Vogliamo dedicare questo brano a Giancarlo, che viveva il canto come un volo, come nutrimento dell'anima. En 1784, Jean-Paul Martini composa Plaisir d'amour. D'après le texte de Jean-Pierre Clarin de Florian,
Il n'aurait jamais pu imaginer que sa chanson aurait été une des plus exécutées en France, ainsi que dans le monde entier. Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Franco Battiato, Andrea Bocelli, Elvis Presley, John Baez et d'autres artistes ont été charmés par la douce mélodie de cette chanson. Il semblerait même qu'à l'époque de la Révolution française, la reine Marie-Antoinette aussi la chantait dans la cellule de sa prison juste avant d'être exécutée. Le sujet sentimental et attendrissant de la romance est bien synthétisé par le début. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie, paraît-il. Harmonisé par Goff Richards, Plaisir d'amour. Joseph Kosma, déjà élève de Béla Bartók, a été l'auteur de nombreuses musiques de films en collaborant avec des réalisateurs tels que Renoir et Buñuel.
Mais c'est lors de la mise en musique des poèmes de Jacques Prévert qu'il a atteint sa grande notoriété. Les feuilles mortes, le plus connu parmi les poèmes du recueil Paroles, a été ainsi chanté par Yves Montand, Juliette Gréco, Édith Piaf, Serge Gainsbourg, pour inciter que quelques-uns. En 1949, le texte est traduit en anglais sous le titre de « Autumn Leaves ». La chanson est chantée par Nat King Cole, Frank Sinatra, Barbra Streisand et devient un standard de la musique jazz. Ce soir, vous allez l'écouter par la douce harmonisation de Amédée Pignet. Les feuilles mortes. Et c'est avec ce dernier chant que la chorale de Vents vous salue, en vous remerciant pour l'aimable attention et en vous souhaitant une agréable fin de soirée. Se ramassa la